Dacia enrichit sa gamme d'un tout-terrain qui à coup sûr fera parler de lui. Son nom, le Duster. Ce petit SUV est disponible en entrée de gamme au tarif de 11 900 euros. Autant dire que la concurrence a du souci à se faire, car le Duster en donne pour son argent. Pour les aventuriers, une version 4 roues motrices est disponible. Deux motorisations diesel sont au catalogue, un DCI 110 ou un plus modeste DCI 85 chevaux. Ici, c'est le plus faible d'entre eux qui est à l'essai. Ce dernier ne nous a pas complètement convaincus, il est en effet bruyant, émet des vibrations à l'accélération et ses reprises manquent de tonicité. Sur la route, le Dacia adopte un comportement sain et sécurisant. La prise de roulis notamment courbée et maîtrisée, bref, pas de grosses mauvaises surprises sur ce plan. La transmission 4 roues motrices est moins à l'aise sur route mais vraiment efficace sur les sentiers battus. Quant à la consommation, elle est pratiquement identique à la version 110 chevaux, comptez une moyenne de 5,1 litres au 100 km en cycle mixte. La planche de bord est identique à celle de la Sandero, elle en reprend donc ses défauts, à savoir des plastiques durs et parfois mal ajustés. Pour le reste, le Duster offre le strict nécessaire, notamment en finition ambiance. Les équipements comme la climatisation et la radio CD sont au catalogue des options. Autre gros point fort du Duster, son habitabilité. Celle-ci est vraiment exemplaire. La banquette arrière accueille aisément 3 personnes. De leur côté, les dossiers de siège sont fractionnables en mode de tiers un tiers. Le coffre, quant à lui, est tout simplement l'un des plus spacieux du segment. Le Dacia Duster est disponible à partir de 11 900 euros pour le 1,6 litre 16V 2 roues motrices. Les versions diesel débutent à 14 100 euros pour le DCI 85.